L'application de messagerie déclare qu'elle va limiter le nombre de messages qu'un utilisateur peut transférer à d'autres. Le service de messagerie déclare qu'il souhaite stopper la propagation de la désinformation et des fausses informations sur le coronavirus. Facebook, la compagnie propriétaire de WhatsApp, indique qu'il y a eu une augmentation significative des transferts de messages durant la pandémie. De fausses théories sur le coronavirus ont été partagées en ligne et sur les réseaux sociaux, de son origine à ce qu'il va se passer après. Avec le nouveau changement, les utilisateurs ne pourront transférer un message qu'à un seul utilisateur au lieu de 5. Les utilisateurs seront toujours capables de transférer autant de fois qu'ils veulent, mais WhatsApp va les obliger à cliquer sur le bouton « Transférer chaque fois ». Il n'y aura plus de possibilité de cocher de multiples discussions pour leur transférer un message en même temps.